De retour pour la demi-finale. C'est pas la meilleure des mains, mais je vais quand même la keep. J'espère piocher, Réanimator. Ou alors un ton et une plaine pour pouvoir chercher Unburial Rites. Mais bon, pas une main folle. Mais bon, elle a beaucoup de potentiel, quoi. C'est pas mal tout ça. Je vais te chercher plus tard. Bon là je vais fetcher par contre. Je vais pas fetcher le tour avant au cas où si je puisse caster une nécro plus tard. Je vais prendre la verte. Base. Non, il monte. Ça va, Rimand, on n'est pas pressé, pressé. Agressif. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de sweepers. Des cartes qui remove beaucoup de créatures en même temps. Il se met super bien, lui. Je pourrais faire un petit temps, mais j'ai peur qu'il a quand même quelque chose. Du coup, je vais y aller en douceur. Allez, montre tes entrailles là. Il a pas deux blancs. Si, il a deux blancs pour faire Elspeth. Ouais, Elspeth pose clairement un problème.
Lisette Charme est chiant aussi. Si fait Elspeth, je m'en fous en même temps. Ah si, ça tue les tons, ça. Elspeth, c'est pas très grave. Si fait Elspeth, j'attaque. Il y a Adjani qui est chiant. Je peux virer Adjani. Ah, il peut faire Espet is a charm. Je peux aller chercher Primus aussi, hein, tout simplement, s'il fait Elspeth. Non, Elspeth, c'est pas un problème. Je vais virer Lisette Charm. Du coup, est-ce que je le laisse mettre 4 à ma bête? Là, j'ai 5, là, j'hésite à, alors, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mana. J'hésite à discarder, chercher Primus et équiper. En fait, je sais pas si j'équipe, c'est ça la question. C'est est-ce que j'équipe? Non, je veux pas équiper. Si j'équipe pas, il fait Mortar et je perds 2 draws vraiment gratuites. Ça me fait chier de perdre 2 draws gratuites quand même. Non, je pense que je fais ça. Alors, c'est pas mal si je pioche une mana pour si je pioche l'Ange of Serenity. Donc là j'ai le choix entre Grizzlebrand et Primus, sachant que si je fais Grizzlebrand, il va activer Elspeth pour le détruire. Moi, je fais un Primus. Donc il a un Elspeth, un Mortar.
Non, bah, je suis bien. J'ai pas envie de remove Necro pour équiper. Non, j'ai pas envie de le faire, je crois. Non, je peux quand même avoir pas mal de value sur Necro. Est un peu à poil là, quoi. Il peut pas vraiment détruire mon Primus avec Elspeth. Du coup, c'est pas mal. S'il fait un truc genre une race, je détruirai son garnison. Du coup, je pense que je suis bien dans cette game. Prochain tour avec Necro, je vais piocher genre 5 cartes. 5-6 cartes, je sais pas encore. Il voulait passer son tour, puis finalement il est revenu sur sa décision. Il se dit qu'après si j'équipe... Non. Allez. Yeah. Je sais pas pourquoi il a... Peut-être il est Spermerise, pourquoi il a fait des tokens en fait. Ouais, à sa place, bah quitte à faire ça, j'aurais fait Elspeth, je détruis Primus. Ah non, il espère piocher une race ou une balance dans ce cas-là. Peut-être qu'il en a une. Ouais, ça a du sens alors dans ce cas-là. Je sais qu'il a un Mortar en main. On va quand même détruire les spells, des fois qu'on se prenne une grâce ou une balance. On change. Bah, mauvaise idée. Snake attack, ça ne fait rien.
T'es un titan, c'est toujours aussi solide comme draw, comme carte. La pression que ça met, quoi. Un mortard. Le changement perdant, quoi. Donc, bah, il va mourir là. Tranquillou. Donc lui joue, ouais, une sorte des Elspeth, des trucs comme ça. Je vais mettre un Vrashka quand même. J'aurais peut-être dû mettre base au final ce Vrashka. Peut-être sous-estimer mes adversaires. Et du coup, faut que je vire une carte. Donc, il joue un jeu contrôle patriote avec des planeswalkers. J'ai encore envie de virer un land. Et de jouer 14 landes, Chromox, Crypt, et 2 signets. Je pas un jeu qui a besoin de tant de mana que ça après. Je quand même laissé un marais. Non, je vais game. Oula, j'ai été insta-punish. C'est dit, j'ai une bonne main. C'est vrai qu'après ça fait peu de land, je vais peut-être pas virer un land. Ah, en plus il a le truc rouge là. Le charme. Ouais, si la Lisette charme, je suis super dead.
Ah, monsieur se fait plaisir. Mon remont, ça va. Ça va pas par contre. Ou le vilain. Une combo imparable. Ouais, j'ai pas équipé, j'ai pas eu la foi d'équiper. Que cette game est morte? On arrête les bêtises. Mot. Qu'est-ce qui est pas bien contre lui? J'ai envie de rajouter la reine sur le play en plus. Je vais gérer ça. Peut-être un fauna. Non. Peut-être un fauna contre lui. Il a pas mal d'anti-bêtes en fait. Je serais content quand même que fauna soit sur le board. Ça a le flying. Qu'est-ce qu'il n'y a pas le flying? Bah, j'ai fait une carte déjà. L'impression qu'il joue beaucoup de grosses cartes. Allez, je vais jouer comme ça. Yes. Ah. Il joue des mox. Ouais, je vais le faire tout de suite. Bribery, ça m'implose. On peut le dire. Il a pas encore sa rouge.
J'espère qu'il va pas piocher sa rouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'utilise la ferte pour faire une verte, une blanche. Ah non, je peux pas tout faire, je voulais faire Scooklamb, j'équipe. Non, je peux pas. Je voulais sacrifier lui en même temps, en fait. Je peux faire. Sinon, je peux faire. Ouais, c'est pas mal ça. Suis pas obligé d'activer en fait Fauna. Je vais faire. Tac. Ça me fait 3 mana. J'ai posé l'ordre en fait, c'est la question. J'ai pas posé l'ordre. Alors, si je pioche land, c'est vraiment pas mal en fait. Parce qu'en fait, je pourrais faire 4 mana, je pose lui, j'équipe avec Scooklamb. Derrière, il fait Elix là-dessus. Sylis, ça me laisse ouvert pour peut-être un draw titan. J'ai pas mal de bonnes draws en fait. Je peux faire ça. Je vais faire ça, ça me plaît. Ah, j'avais déjà posé l'angle. Yes. C'était plutôt une bonne draw. Ah, j'étais persuadé, j'ai... Ah, c'était ok. Je me disais, on n'est pas... My bad. Bon, si, je suis pas mal.
Là, il risque de faire Basale, je pense. Ouais, stat en tout cas. Peut-être un Adjani. Ouais, c'est un Adjani, ça m'empêcherait de faire Titan prochain tour. Sinon, bah, ça sera le Titan, hein. Ce qui va faire Elix sur Shashpona, ça serait quand même assez ugly pour lui. Même si Fona c'est relou, hein. C'est vrai que c'est chiant. Bon, en tout cas, il n'y a pas de choix évident, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou alors une très mauvaise. Ralzarek, ok. C'est assez étrange qu'il n'ait pas fait moins 2 pour tuer lui, puisque je voulais attaquer et il va être à 2. Ah oui, il voulait pas me faire piocher. Moi, je... Ah oui, pas me faire plus, ouais, je Allez, laisse-moi attaquer, s'il te plaît. Go ahead. Y a toujours Basalt et Elix. Là, il peut tuer mon Fauna, mais pour le moment, c'est pas très très grave. Je prends 2,5 par tour. Peut-être je vais dégager du coup. Mana Vault. Va faire un Elspeth. Ça commence à picoter sévère.
Alors, toi, t'attaques Elspeth, c'est sûr. T'as Kral'Zarek, je vais piocher deux cartes. Et toi aussi, t'attaques Kral'Zarek. Garde Fauna up. Pour aller chercher mon... Tenter d'aller chercher mon Primus. Ah, 9, c'est pas un bon chiffre, ça, pour la mana crypt. Ah, c'était bad de perdre le toss là. Ah, c'est pas mal ça. Je crois que c'est Ral'Zarek qui fait plus peur qu'Elspeth. Parce qu'en fait, si je tue Elspeth, il peut mettre 3 plus 3 d'Elix et je meurs sur... Ouais, je vais essayer de temporiser. J'ai un mana toujours. J'ai envie qu'il me target ça en fait. Va être compliqué cette histoire hein, quand même. Ça va dépendre bah, de la mana vault. Ouais, il a été crucial ce flip là. De perdu, j'aurais été à 12, la partie aurait été complètement différente, quoi. J'espère qu'il va détruire mon fauna là. Non.
Donc, ça c'est fait. Elspeth. Jeune. Non, Jenny, je pense. Est super tendue cette game. Je m'y attendais moyen à ça, je dois l'avouer. Du coup, là, il met 3 plus. Ah. Il reste 3 minutes. Là, il cherche clairement à me tuer. Je sais pas comment je m'en sors de cette game. Même tu peux encore, donc je crois que je vais ranimer un short fang que je vais équiper. Ça me met bien ce que je pensais. En plus, je pensais à un snake attack, mais sorti des fagots. Va falloir gagner un flip. Voilà, c'est dit. Va falloir gagner un flip. Ouais, le flip, il est tellement beau. Ou alors qu'il tape sa rouge aussi, hein, c'est possible. Bon, il a encore de la rouge, malheureusement. Allez. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, comme on dit, heads never fails. Non! Ah, je voulais changer en plus. Non! Ah, j'aurais dû changer! Dommage, putain.
Bon, bah, ça sera tout. Bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau cube.